Non, c'est évident qu'on pense simplement, effectivement, que ce monde est en pleine décadence, politiquement, socialement et bien sûr structurellement. Les bugs ne sont pas, et j'insiste là-dessus, ils ne sont pas acceptables dans un système qui se veut stable. Nous, on exige simplement un contrôle systématique de toute anomalie, quoi. Donc vous considérez qu'on vit dans un jeu qui n'est plus en phase bêta depuis longtemps, c'est ça? Oui, tout à fait. Toutes les mises à jour nécessaires ont été faites et... Absolument. D'accord. Et vous-même d'ailleurs, vous ne souffrez d'aucun bug, c'est ça? Bien évidemment. Donc même si je... Non, restez à votre non, place. Non, mais vous savez, donc c'est pas nécessaire. Si je détourne mon regard et que je reviens... Ça fait partie du système, ça fait partie c'est du quoi, système ça, alors? Les bugs qui touchent notre jeu sont de plus en plus fréquents et atteignent des NPC toujours plus nombreux. Nous nous accommodons de la plupart d'entre eux. Salut. Mais quelques NPC parmi nous en souffrent fortement. C'est comme ça jour et nuit. J'ai d'abord pensé à un poltergeist. Mais non, c'est bien des bugs. Il suffit que j'effleure un de mes bibelots pour qu'il se mette à sautiller dans tous les sens. Ah non, vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Écoutez, je m'y suis fait, hein. On a tous nos petits défauts, et puis ça m'a rendu un peu célèbre dans le quartier. En plus, quand je prends mon vélo, j'ai plus besoin de mettre un truc fluo pour qu'on me voie sur la route. Alors c'est plutôt cool, je trouve. Et votre maison, c'est comme ça dans toutes les pièces? Ouais. Enfin non, y a juste un meuble qui a encore une texture. Ah, je pense qu'on peut dire que j'ai de la chance dans mon malheur. Hein. Tout a commencé avec un cours de yoga. Écoutez, ce n'est pas compliqué. Le jeu est à l'abandon depuis des années. Il est en phase bêta et les patchs n'arriveront jamais. C'est triste, mais il faut se faire à l'idée. Nous vivons dans un abandonware. Mais qu'est-ce que ça implique? Eh bien, il faut qu'on se prépare tous à l'éventualité d'un grand bug. Le dernier des bugs. Le bug fatal. Celui qui mettra fin à tout ce qui est beau dans ce monde. Un peu comme ma femme. On vient de divorcer. Le dernier bug. La terrible phrase avait été prononcée. Alors que faire désormais? Faut-il céder à la panique? Faut-il essayer à tout prix de sauver le code source? Y a-t-il un moyen d'accéder à la console développeur? Tout ceci, c'est à présent à vous de le